Autrement, ton équipement n'est pas complet. Les caps aussi sont à l'épreuve des balles. Nous partagerons notre butin en trois parties égales, d'accord? Parfait. J'ai l'impression qu'ensemble, nous allons former un trio invincible. Les trois fantastiques supermen. Nous avons une heure devant nous. D'accord, ça me va. Notre partenaire nous attend. Préparons-nous, Nick. Sacré clown, va. Fait-il que nous n'ayons pas été prévenus de votre arrivée? Eh bien, le... Bon, voulez-vous qu'on le sache? Nous avons hâte de livrer ceci et ensuite de repartir. Vous êtes nouveau dans le métier? Pas tout à fait, mais c'est la première fois qu'on nous envoie ici. J'ai toujours un faible pour les jolies brunes et les femmes énergiques, vous en médecin. Eh bien, posez ça par terre, Casanova. Je vais y jeter un coup d'œil. Déguisé en Superman, opère dans une banque américaine. Il rafle $1 million déguisé en Superman. Il dévalise une perception. Montant du butin, 750 millions de lire. Deux hommes en costume de Superman font un vol au casino de Monte Carlo. Voyons ce que tu es capable de faire pour un jeune débutant.
faites pas usage de vos armes. Joli travail, mes amis. Je vous prends pour le fric-frac que je prépare, ça va? Cette autoradio guidée est une vraie surprise. Toutes mes félicitations. Ah, tu sais que tu l'es pas mal non plus. Mais ton gang, lui, ne vaut pas grand-chose. Bon, alors, est-ce qu'on l'accepte comme associé? C'est sa façon de dire que tu lui conviens. Il est muet, tu sais. Il n'est pas facile de plaire à Nick. Pas vrai, l'ami? D'accord. Nous allons donc te porter un toast, car tu es le premier à qui nous faisons cette faveur. Ceci te protégera de tout. Des coups, des balles, sauf du feu. Ces pare-balles sont sensationnelles. À qui doit-on cette invention? Est-ce qu'on t'a demandé d'où tu venais? Non, mais merci de votre confiance. Bon, alors pas de question. Tu as voulu nous mettre à l'épreuve avant de monter un coup. Mais de quoi s'agit-il? D'une banque? L'ambassade du Simouchir. Elle se trouve dans un quartier résidentiel et la zone est déserte à l'heure où j'ai projeté de faire le hold-up. Mais nous ne voulons pas embarquer les médailles de l'ambassadeur. Le Simouchir est un état de formation très récente. Leurs coffres sont bourrés. À la fin de la semaine, l'ambassade doit recevoir $1 million. La valise diplomatique les apportera. Maintenant, buvons un verre. Je peux vous aider? L'ambassade pullule de gardes armés et vos sphères ne suffiront donc plus. Prenez ceci. Mais ce serait une folie de croire qu'on pourrait réussir sans cette armée. Nous serons peut-être obligés de tirer. Ça m'embêterait bien. J'ai horreur de tuer. Tu as fait d'une pierre deux coups. Oh, vous êtes tout à fait mon genre. Ah, celle qui m'embrasse signe une traite. Tôt ou tard, il faut la payer. Eh oui. Kurt, le monte charge. Une caisse de dollars est arrivée.
Casanova! Casanova! Attendez! Ça y est, en effet. Je paie toujours content. Ceux de l'organisation sont des vieux croulants. Je n'ai encore jamais vu un homme aussi mal. Natacha! Qui c'est, ces gars-là? Ce sont deux nouveaux! Pleine jeunesse! On nous les envoie sans aucun avertissement. Moi, j'ai horreur de ça. Alertez Sarkis! Allez, vous, suivez-moi. Quoi? Qui est à l'appareil? C'est un ami. Je vous conseille de faire vite, sinon l'ambassade ne va pas tarder à exploser. Mais où allez-vous, espèce d'idiot? Allez au coffre-fort et en vitesse! C'est le moment. De refuge, plaisir. Attention, associé. Ces bazookas percent des cuirasses bien plus résistantes que vos gilets pare-balles. À qui devons-nous cette surprise?
FBI. L'ambassade du Simouchir constatait depuis quelque temps un gros trafic de dollars. Il nous fallait des experts pour y mettre fin. Alors, sans le savoir, nous avons travaillé pour le gouvernement américain? Expliquez-leur, lieutenant. Les ambassades ont le privilège d'extéritorialité, donc le FBI ne pouvait intervenir d'une façon officielle. C'est la raison pour laquelle on s'est servi de vous, un peu grâce à l'inspecteur McCallum. Et savez-vous comment nous avons appelé ce petit travail? Opération Marron du Feu. Tout cela, c'est très joli. Mais jusque-là, c'est nous qui vous avons tiré les marrons du feu. Et gratis. Comme récompense, eh bien, le Fédéral Bureau oubliera le vol du Pentagone. Vous voilà libre. L'opération Marron du Feu s'est merveilleusement passée, sans violence, grâce à vous. D'accord, vous avez gagné. Mais connaissez-vous l'opération Kangourou? Restez ici, moi je m'occupe d'eux. Et voilà! Percevoir du degré de précision que nous avons atteint. Continuez, le coup prévu contre la banque est pour dans un mois, non? Mesdemoiselles! Approchez, le patron veut vous dire bonjour. Bonjour, mes enfants. Hey. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien... Elles sont toutes jalouses du patron. Ah. Je t'ai vu, petite blondinette. Sors. Allons. Je voulais vous avertir que c'est un contrôleur des services fiscaux. Ah oui, oui, c'est un contrôleur des services fiscaux, oui. Mais il prend pension à l'école. Répression des fraudes. Non. Et comment as-tu fait pour nous trouver? J'ai caché le double de cet émetteur dans votre auto. Un révélateur à impulsion. J'aurais dû y penser. C'était la seule manière pour moi de pouvoir vous suivre. Non pas que je me méfie de vous. On ne peut rêver de meilleure association. Deux voleurs et un flic. Les uns ne peuvent que servir l'autre, n'est-ce pas? Aucune objection. Si nous pouvons être utiles en quoi que ce soit, fais-nous signe. Je ne m'intéresse qu'à vos tenues. Qui vous les a fabriquées? L'FBI est très curieux. Je vous laisse un souvenir. Mais attention, étudiez.
Ce n'est pas pour vous. C'est pour ma mère. Au revoir, chef. Je peux embrasser les autres? Je m'en charge. Toi, Phil. Désolé, mesdemoiselles. Embrasser un gars de la police. Eh bien, et alors? Secoué, mais tes collègues ont fait des barrages sur l'autoroute. Que s'est-il passé? Ben, ils ont une fois de plus réussi à s'échapper à bord d'une voiture décapotable. Ah, oh, mais alors c'est eux qu'on vient de croiser il n'y a pas longtemps, ils étaient trois dedans. Allez, faites demi-tour, vite! Pas mon canard. Papa va revenir bientôt. Ah, professeur. Professeur Schwartz. Oh, sœur Anthony, inspecteur Nick. Oh, je suis content de vous voir. Vous revenez de Londres, je crois. Oui, de Londres. Et quoi de neuf? Le service des brevets nous a donné du fil à retordre. J'ai conversé avec le Premier ministre et la police britannique a testé vos combinaisons, vos gilets anti-balles, ils sont très enthousiastes. L'inspecteur Nick a été chargé d'en faire l'acquisition. Eh bien, je suis prêt à en fabriquer autant que vous voulez. La lutte contre le banditisme exige toujours de nouveaux moyens. Le ministère voudrait que vos combinaisons soient aussi à l'épreuve du feu. À Londres, on est convaincu que vous réussirez. Eh bien, j'en suis flatté. J'étais précisément en train de faire des essais lorsque vous êtes arrivé. Ma nièce, Zizi, vous vous souvenez d'elle? Vous lui plaisez? Zizi? Qu'est-ce qui te prend, Zizi? Je vous prie de l'excuser, sœur Anthony. Elle est si impulsive. Impulsive, mon œil, oncle Willy. Oh, ton sœur Anthony ne donne pas signe de vie et puis il s'amène avec des marques de rouge à lèvres. Quoi, mais quel rouge à lèvres? C'est une nouvelle pommade anti-allergique. Et quand je pense que je n'ai songé qu'à toi durant tout mon périple. Bleu d'azur comme tes yeux, pur comme mon amour. Accepte cet hommage à ton gracieux grain de beauté. C'est un souvenir de famille. J'ai dû promettre de ne l'offrir qu'à celle qui en serait digne. Ah, oh, chérie, tu n'as pas l'habitude des frivolités. Ça se porte à droite. Mets-le à gauche, c'est la main du cœur. Ainsi, tu ne m'oublieras plus jamais. Oh. Professeur, l'inspecteur Nick vous réglera les gilets anti-balles. Je vous en prie, inspecteur. Si vous me permettez, je participerai aussi au tractat. Oh! Vous êtes très habile. Toutes mes félicitations. C'est vraiment de la belle ouvrage. Je bois à votre santé. Vous ne vous êtes pas présenté. Vous avez pourtant un de mes gilets. C'est votre ami? Eh bien, je n'ai pas vraiment un ami. Non, en fait, je ne suis pas vraiment leur ami.
Je commande le département des brevets d'invention. Très honoré. Monsieur, venez, nous allons discuter de tout cela. Bien. Je me chargerai personnellement de vous faire régler votre dû. Le chef est venu faire votre connaissance, professeur. Oui, et mettre sous séquestre ces banknotes. Ah, je pense que ça vous intéressera de savoir que tous ces dollars, eh bien, sont en somme des faux. Bon, je ne devrais pas vous le dire, mais ces dollars préoccupent beaucoup mon gouvernement. Faux, même s'ils sont semblables aux billets qui sont en circulation chez nous. Factures identiques jusqu'au numéro. Des doubles, alors? J'en avais peur, ils sont un peu radioactifs. Les banknotes sont fabriquées par un reproducteur universel. Par un quoi? Un reproducteur universel. C'est une machine qui peut reproduire n'importe quoi en double parfait. Les dollars n'en sont qu'une modeste preuve. Elle peut faire de même avec l'or, l'argent, les diamants, les produits industriels. Vraiment très intéressant. Mais c'est terrible, tu ne comprends pas? Cela met le monde en péril. On retrouve dans tout ceci la main du destin. Parce que je suis l'auteur de cette invention. J'y ai travaillé depuis longtemps, en grand secret. C'était il y a 5 ans. Ce n'est qu'après avoir dessiné mes plans que je me suis rendu compte du danger que représentait cet engin. Aussi ai-je décidé de détruire mes plans et depuis, j'ai gardé pour moi tout ce qui concerne cette découverte. Vous devez bien en avoir parlé à quelqu'un. Ah, en fait, j'en ai parlé. Mais rien qu'à mon assistant, le professeur Wilfried Gottlieb. Oh. Je conçois que vous ayez des doutes, mais Gottlieb est mort aujourd'hui, dans un accident. Allez. Ceci n'est qu'un petit échantillon de leur savoir-faire. J'aurais jamais cru qu'on puisse avoir une gueule aussi monstrueuse que la vôtre. Vous et vos inventions sataniques. Oh, oh. Oh là. Invulnérable. Vous en êtes tout étonné, hein? Sarkis, voici le comptillet. On a le paquet. Filons. Tiens, tiens. Aujourd'hui est un jour de chance. Professeur Schwartz, vous ici? Quand je pense que nous vous avons cherché pendant des mois. Ça va? Voyez la hyène blonde qui rit. Ah, les hyènes se nourrissent de cadavres, c'est connu. Ah, Sarkis, vous allez emmener le professeur et... Et la fille aussi? Oui, oui. Alors, venez. Attrape. Allez. Attendez, professeur. Vous trois, par là. Très bien. On ne laisse jamais de témoins. C'est plus prudent. Allez, alignez-vous. À vos ordres. Et bombez le torse, Superman. Oh, emmenez-les dans la voiture. Hey, hey, hey.
Nous allons leur donner une leçon. Que quelqu'un aille au sous-sol. C'est déjà fait. Il faut absolument ouvrir cette trappe par n'importe quel moyen. Vous, venez par ici. Monte, on verra après. Allez, dépêche-toi. Séparés. Dans quelle voiture est Zizi? Vous, suivez celle-ci. Pense devant. Hé, ma voiture! Attention, Charlie. Attention, écoute-moi bien, un des trois supermen vous file le train en bagnole. À vous. On s'en occupe, merci. Il a emmené la fille, hein? Vers le port. Thank you.
interdit de faire du mal à ma nièce. Alors, professeur Ducal. À cette vitesse, ils vont faire un beau plongeon dans l'océan. En vedette. Viens, sinon nous allons brûler les vies. Cher pour savoir où ils les ont emmenés. Il n'y a pas âme qui vive. Qu'espères-tu trouver? Moi, ouais, je sens quelque chose. Entre voleurs, on se flaire à distance. Ah, ces maudites ventouses. Et comment voulez-vous marcher avec ça? Il y a besoin d'un coup de main, FBI? Tôt ou tard, je vous coffrerai tous les deux. L'île des sourires a son bienfaiteur. C'est profond. Allez, venez. Beau château, hein? Séparons-nous. Nous sommes des amis. Nous venons pour le divertissement masqué. Mais peut-être nous sommes-nous trompés d'île, madame, non? Est-ce que vous vous moquez de moi? Un bal masqué en plein jour. Vous me prenez pour une idiote. Hé, vous n'avez qu'à me faire signe, je leur mets du plomb dans la peau. Non. Non, ce sera inutile. Ce ne sont que des bons vivants. Si c'était des brigands, ils ne seraient pas dans cette tenue. Mais vous n'êtes pas des cowboys qui lanceraient la mode des mini-manteaux? Bon, filez, sinon on va se retrouver en pleine révolution. Philippe,
J'ai bien l'impression d'avoir déjà vu la femme qu'on vient de quitter. Impression, ou flair, ou je ne sais quoi. Tu me fais rire avec ça, crois-moi. Il vaut mieux faire appel à de vrais policiers. Ne m'insulte pas. Bon sang ne saurait mentir. Tu veux seulement mettre la main sur ce reproducteur pour que tes patrons et toi en tiriez profit. C'est bien ça, hein? Eh bien, moi, je ne marche pas dans ces combines. Ah, vous ne voulez pas me faire avaler que vous vous intéressez à ce reproducteur à des fins humanitaires? Bon, d'accord, on fait un pacte. Tu nous fiches la paix, vieille, et nous, de notre côté, on te laisse tranquille. Et quand on aura trouvé le reproducteur? Nous reprendrons la discussion d'homme à homme. Je suis d'accord. Maintenant, nous pouvons tous descendre ensemble. T'avais dit qu'ils mettaient des gâteaux dans le coffre-fort. Eh ben, ils mettent même des personnes. Oui, et ce monsieur qui est en blouse blanche, c'est le pâtissier. Et eux, ils l'emmènent pour faire des gâteaux. Ah, on va voir ça, d'accord? Moi, je voudrais voir ma maman. Amis, je vais vous servir de guide. Derrière vous, un tunnel de 3 km de long. Ce tunnel sous-marin conduit à une puissante centrale, une merveille, ma centrale électrique. Le reproducteur universel exige beaucoup d'énergie électrique. Astrid, tu t'es montrée très adroite. Ces supermen nous ont donné et nous donneront encore pas mal de fil à retordre, mais j'ai une chance inespérée en retrouvant le grand professeur Schwarz. Mais je ne vous connais pas. Vous ne me reconnaissez pas, vous voulez dire, car je suis Gottlieb. Gottlieb? Mon assistant est mort. Non, c'est moi-même qui ai mis un cadavre carbonisé dans les débris de mon auto. Depuis, une opération de chirurgie plastique m'a permis de me faire passer pour Wilfried Golem, l'industriel milliardaire, mécène et bienfaiteur d'humanité. Cette institution est donc un parfait alibi. Et à propos, ma chère, les délégués de la presse européenne vous attendent au grand hôtel. Ils aimeraient faire la visite de l'institution. Arrangez-leur un rendez-vous. Il faut toujours être bien avec les journalistes. Vous qui vouliez détruire les plans de votre reproducteur universel, venez le voir. Voici la chambre des commandes d'où nous vérifions l'énergie apportée au reproducteur, c'est-à-dire les millions de kilowatts nécessaires. Et je vous en prie, Schwarz, approchez-vous. Et maintenant, regardez le schéma en coupe de cette usine qui se cache derrière la façade inoffensive de l'institut respectable Wilfried Golem. Un ascenseur secret nous mène directement ici, dans la chambre des commandes. Et la galerie souterraine que vous avez vue nous relie à un autre ascenseur, lequel conduit à la grande centrale électrique. Et maintenant, je vais vous montrer mon petit monde. Venez. Une valeur de 1 000 milliards.
reproduit, matérialisé à partir d'un seul lingot. Et ne croyez pas que je vais m'arrêter en si bon chemin ou que je crains des pannes techniques. Mon cher Schwartz, ici la production ne peut marquer de temps d'arrêt. Ici les ouvriers sont des machines indestructibles, alimentées par votre extraordinaire reproducteur universel. Je vous présente l'ambassadeur du Simouchir. Au début, son pays m'a apporté des fonds. Comme vous le voyez, professeur Schwartz, maintenant nous retrouvons largement notre commandite. Et je pense que dans peu de temps, mon pays dominera les autres puissances et les asservira. Mm-hmm. Mon cher professeur, vos scrupules humanitaires vous ont privé jusqu'à présent du plaisir de voir fonctionner la machine que vous avez mise au monde. Elle est extraordinaire. Il est beau, notre reproducteur. Descendez. Voilà. J'ai réalisé très fidèlement votre projet, professeur. Nous pouvons reproduire n'importe quoi, des armes, de l'argent, des machines, des produits industriels, n'importe quoi, avec grande fidélité, à part une chose, le visage d'un être humain. Obéissant mais imparfait constitue un danger pour notre sécurité. Il faut donc souvent supprimer ces produits. Mais vous êtes le seul au monde à connaître tous les secrets de notre reproducteur. Ne comptez pas sur mon aide. Vous êtes un vieillard têtu, Schwartz. Mais vous avez une nièce belle comme le jour. Sarkis, emmenez-les. Et éliminez ces trois supermen. Vraiment plein le dos. Voilà 3 heures que nous jouons les touristes autour de ces îles. Aurais-tu une meilleure suggestion à présenter? Reprenons nos recherches à l'ambassade. Oui, moi je veux bien. Allons-y tout de suite. Quoi? La ville est à 80 km de là. Tu veux y aller à pied? Nick, taxi pour monseigneur. A communiqué que le travail a été fait. C'est bien. On va essayer de les retenir le plus longtemps possible dans leur voiture et ils flamberont comme une boîte d'allumettes. Le mécanisme est défectueux. Je me suis trompé de bouton. Vas-y,
occupé, hein? Nick a toujours aimé les messages codés. Tu te sens en forme? Déplacer de 2 mm le tube cathodique. Alors, vous pouvez y aller, mais que le monde vous pardonne une pareille folie. Je n'y suis pour rien. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-elle entrée ici, hein? Ils ont pris le poudrier émetteur de laser d'Astrid et l'ont braqué dans la direction de l'Institut. Faites-la monter sur le module. Je veux contrôler l'efficacité du reproducteur. Les deux autres, après. Appelez l'Institut qu'il fasse venir tous les élèves et qu'il se dépêche. Je m'en voudrais pendant longtemps de ne pas tirer parti d'aussi pauvres petits enfants, n'est-ce pas? Non, 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 laissez ce jouet ici. Allez vite, dépêchez-vous. Dépêchons, dépêchons, dépêchez-vous. Ralentissez, s'il vous plaît. Doucement, doucement. Qu'est-ce qui se passe? Un incendie a détruit l'ambassade. Allez, circulez. Oui, oui, on s'en va. Non, mais regarde ça. Ah oui, c'est détruit. Leur système. Aucun témoin, aucune trace. Scar, as-tu compris? Répétez-le encore. J'ai jamais vu un crétin comme toi. Laissez-le filer. Nous avons rassemblé tous les enfants dans le souterrain, sauf le fils de Madame Colline. Faut que tu le retrouves. Mais où voulez-vous que je le retrouve? Décidément, tu es trop bête. Où veux-tu qu'il aille? Chez sa mère, pardi, à Greencastle. Je ne suis pas aussi crétin que vous le dites. Adieu. Je dois dire que c'est la plus grande usine souterraine que j'ai jamais vue. Ainsi donc, vous êtes à la fois un homme d'affaires, un mécène et un savant. Les représentants de la presse européenne s'associent bien volontiers au témoignage de reconnaissance qu'a déjà reçu Monsieur l'ambassadeur du Simouchir pour l'œuvre que vous avez accomplie en tant que bienfaiteur. Monsieur Golen, une photo pour le correspondant d'United Press. Cher ami, vous avez retiré du programme l'île des sourires. Sera-t-elle remplacée par une visite de votre merveilleuse institution? Pas du tout, madame. Je n'ai fait que la remettre à tout à l'heure. La comtesse de Boisdieu, Paris soir. Cette fois, ce sont des banques-notes en petites coupures. Madame Collins, il vous sera donc facile de les placer auprès des clients. Je n'ai aucune envie de continuer ce petit trafic. Laissez-moi revoir mon enfant. Voilà des mois que vous me détenez maintenant. Et que vous le gardez dans cette île. Oh! Oh! Faites votre travail ou jamais vous ne le reverrez. Notre hélicoptère approche. Gamin! Alors?
Où t'étais-tu caché, hein? Hé, attention! J'y vais. Mon petit! Mon petit! À l'aide! Il y arrivera? Oh, j'espère. Oh, je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas, il est fantastique. Cramponne-toi. Tu as peur, hein, mon petit bonhomme? Tu as peur, hein? Superman, dis-moi, tu me les donneras? Tes chaussures ventouses, dis. Oui, si tu me promets de ne plus chercher à t'échapper si nous réussissons à descendre. J'ai pas vu ma maman depuis si longtemps maintenant. Ah, tu la reverras. Non! Pose-toi sur le camion! Je vous conseille de vous taire, il y va de la vie de votre fils. Maintenant! Là, ça y est. Sans leur tenue, ils seront inoffensifs. Ah. Voilà notre petit fugitif, hein? Avec les autres. Vous dites à Ortiz que je veux les passer au reproducteur universel dès ce soir. C'est parfait. Allez, les enfants, venez. Avance-toi. Comme vous le voyez, vos merveilleuses inventions ont cette fois changé de camp. Qu'avez-vous fait des trois hommes? Alors, un peu de patience. Si je vous ai fait venir, c'est précisément pour éclairer votre lanterne. Ce sera un spectacle intéressant. L'écran sert à contrôler le bon fonctionnement de mes appareils, peu importe l'endroit où l'on est placé. Contact. Bon, assez bavardé. Mettons-nous à l'ouvrage. Farkis, attendez. Je voudrais dire deux mots à monsieur. Personnellement, j'en serais ravi. Comtesse de Boisdieu, pourquoi êtes-vous encore ici? La délégation de la presse a été invitée au Grand Hôtel. Dites-leur que la visite à l'île des Souris est pour demain. Mais enfin, rien de presse. Allez-le leur dire immédiatement, c'est un ordre. La voix de son maître. La ferme, esbroufeur. Vous étiez fort avec vos gilets anti-balles, hein? Mais maintenant, c'est nous qui allons nous en servir pour les garnir de pierre et vous envoyer par le fond. Votre gilet n'est-il pas trop lourd? Ah bien, il tire un peu sur l'encolure. Ah, oh, quel dommage qu'un beau garçon comme vous doive disparaître. Le baiser d'adieu. Mais que se passe-t-il, Astrid? Pourquoi ce noir? Asseyez-vous et reprenez. Quel est votre dernier souhait? Cette fleur sur ma tombe. Est-ce que je peux connaître la raison de cette interruption? Pourquoi y a-t-il eu ce noir, Astrid? Oh, ce n'était rien, un court-circuit. Mais tout est rentré dans l'ordre. J'ai bien fait d'apporter un chrysanthème. L'organisation Golem respecte les us et les coutumes. Ha, 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 ha.
Amen. Sarkis, ça se gâte, nous relâchez. Scar! Elle a déréglé les contacts dans le haut-parleur. Elle n'entend plus rien. Faut alerter Sarkis. Sinon, ces trois fripouilles vont s'échapper. Faites vite. Dépêchez-vous de réparer. Bon sang, intervenez! Vous m'entendez, Sarkis? Qu'un passage secret souterrain permet d'aller dans l'île. Il y a un passage secret? Oui, j'en suis certain. Un golem a installé une cellule photoélectrique qui ouvre à distance la porte du coffre-fort. Quant à la comtesse, elle a un poudrier laser. Un ascenseur vous mènera dans le souterrain. Donc, nous nous occuperons du laser. Toi, tâche de détruire la centrale électrique. Il faut absolument empêcher le fonctionnement du reproducteur universel. Récupérons nos capes. Elles pourront nous être utiles. Vous allez me donner des vêtements et vous allez me conduire au coffre-fort. Ils ne nous échapperont pas. Passez toute la ville au crible, mais retrouvez-les-moi. Mais les gosses, mêlez-vous de ce qui vous regarde. Filez, filez, filez. Wilfried Collen, vous envisagez de tuer tous ces enfants en les passant au reproducteur universel? Oui, car de cette manière, il sera infiniment moins dangereux de les faire voir à nos amis de la presse. Jusqu'à présent, j'ai bien voulu vous suivre, Collen. Mais attention, cette fois-ci, vous devenez sadique. Ou vous libérez aussitôt ces enfants, ou alors j'en informe mon gouvernement. Désormais, l'organisation que je dirige n'a plus besoin de vous. Abattez-le. Centrale électrique est sous cette grille. Bon, coupez le courant. Ah!
Golem fait les choses avec style. Voici une réception digne de vous, madame. Sur cette note d'élégance que finit le défilé des costumes de bain Altamayer Marine. Nous lançons un pressant appel à votre générosité. Vos dons seront versés à une œuvre de bienfaisance. L'institution Golem vous souhaite une excellente soirée. Merci. Je vous renvoie le chrysanthème avant qu'il ne se fane. Signé le cadavre généreux. Extrêmement original. Mauvaise nouvelle? Oh non, non. C'est un de mes vieux amis qui vient de refaire surface. Vous permettez? Ah, voilà vraiment quelqu'un qui revient de loin. Me voici, ange blond. Accordez-moi cette danse. Allez les gars, du nerf. Vous n'êtes qu'un Judas. Ce baiser cache certainement une petite vilenie. Ne vous fâchez pas. La salle est pleine de journalistes. Vous voulez donc un scandale ? Avec moi. Ah oui. Pardonnez-moi, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Suivez-moi. Hé, hey, les gars. Hey. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais attendez, 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 vous parlez complètement fou. Hein? Fermé, enfonce-toi. Je n'ai pas d'autre moyen de payer ma dette. Oh, je suis la mère du petit. Bon. J'ai amené tout un orchestre qui connaît bien la musique. Et cette fois, vous n'avez pas de cap truqué. On luttera à égalité maintenant. Si tu as une montre, regarde bien les secondes, parce que c'est les dernières de ta vie. Le compte à rebours commence. 5, 4, 3, 2, 1. Faudra la faire laver, elle est sale. Monsieur Golem.
On a eu un appel d'Astrid. Les hommes sont emparés du laser et filent vers la centrale. Il faut donner l'alarme. Eh bien, je trouve injustifiée cette agitation. Ces enfants sont de vrais petits anges qui m'obéissent à la baguette. Ils sont asservis à ma volonté. Allez, viens. Ortiz, ramenez-les à l'institution. Allez, allez. Allez, avancez, mes enfants, on va repartir. Mettez-vous en rang et partons. Sarkis, le congélateur. Il m'avait semblé avoir entendu des pas. Oh, Tony. Oh, Tony, ils se sont emparés de ton ami. J'ai pu réussir à fuir par miracle. J'ai très peur. Ne sois pas effrayé. Nous sommes avec toi. Tout ira bien, tu verras. L'important, c'est qu'on trouve le coffre. Je peux te guider, je sais où il est. Alors, on est prêts, Sarkis? Celui-ci n'a pas de ventouse comme les deux autres. Ah, ce n'est pas nécessaire. Sa force extraordinaire et son gilet pare-balles suffiront à en faire un imbattable garde du corps. Imbattable, certes. Avant de l'abattre, nous en ferons faire un double qui ait le même visage que lui. Vous pouvez être sûr que le double de Sizi les a déjà interceptés. Hologramme, impulsion Sigma. Mais ce n'est pas possible. Ici, la cicatrice est à droite. Et dans notre double, elle est à gauche. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Vérifiez bien votre engin, Ortiz. Je m'efface devant les femmes, Zizi. Un bracelet peut changer de poignet, mais un grain de beauté jamais. Or, la petite les avait tous les deux à droite. J'y
J'ai trouvé d'où ça venait. Il manque le filtre polarisant. Sans ça, le miroir qui reproduit les images agit comme tous les autres miroirs. Il les inverse. Alors ça veut dire que ce que nous reproduirons va être reconnaissable. Schwartz ! Schwartz, venez voir ! J'attendais ce moment avec impatience, Golem. Où avez-vous mis le filtre, professeur ? Je vous en prie. Où est-il ? Il nous faudra des années pour en faire un autre, peut-être 10 ans. Et qui sait si cela suffira ? Leurs doubles sont imparfaits. Golem, vous ne pouvez pas les laisser mourir ainsi. Attention, des étrangers dans le tunnel sous-marin. Je répète, des étrangers dans le tunnel sous-marin. Ils se sont emparés du véhicule de service et se dirigent vers la chambre des commandes. Agissez au plus vite. Ici, Golem, fermez toutes les portes. Je t'ordonne de les abattre tous. Ah, c'est toi? Tes amis ne s'en sortiront pas, je te reproduirai à l'infini. Nous y arrivons, Nick. Ils n'ont pas devant tous. Thank you.
Enfin, vous voilà. Oh, tu es malade. Tiens, mais qu'est-ce qui vous prend, mais lâchez-moi la Dick, t'as entendu comment il t'appelait? Je l'ai appelé Dick. Oh, mais c'est un vrai bras. Dépêchez-vous d'aller dans la salle des commandes. Allez, vite, vite. Pourquoi pas Zizi? Tu n'as pas vu Zizi, hein? Oui. Dis, mon petit, va voir ta mère et dis-lui que nous sommes très reconnaissants pour ce qu'elle a fait. Hein? Allez, vite, allez, vite. Yaha! Yaha! Un seul geste et je vous fais sauter la cervelle. Ah, voici l'engin que vous rêviez tant de posséder. Le reproducteur ne vous servirait plus beaucoup, mes amis. Comment? Professeur. Eh oui, je l'ai saboté. Alors ne faites pas cette tête. Je ne suis pas un fantôme. J'ai expérimenté un gilet anti-balles quand ils m'ont kidnappé. Personne ne m'a laissé le temps de vous le dire. Professeur, mon ami aimerait que vous répariez ça, si possible. Non, je le détruirai. Les monstrueuses créatures engendrées par cet engin s'évanouiront à jamais. Golem. Professeur, non! Ceux-ci se sont reproduits peu avant votre sabotage, c'est clair. Les autres détiennent Zizi en otage. Il existe un passage. C'est où, professeur? Je vais vous montrer. Oh, non. Allez, dépêche-toi! Non, Tony! Tony! Occupez-vous des enfants. Mais venez, mes petits. Venez vite vous cacher par ici. Dépêchez-vous, dans le tunnel. Dépêchez-vous. Courez, mes enfants. Allez, 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 venez, venez, mes enfants. Lâchez-moi, espèce de sale brute. Tu vois, ça, c'est le meilleur moment pour nous lâcher, associés. Hey, tiens bon, plus ça ressort. Celle-là. Elle sert d'otage jusqu'au moment du décollage. Allons, dépêche-toi un peu, Sarkis. Emmenons le plus d'or que nous pouvons. Ne surchargez pas l'hélicoptère, nous ne décollerons pas. Eh bien, il nous suffira d'éliminer les charges inutiles. De l'autre côté. Plus que quelques minutes à vivre, toi et cette vipère, ensuite il faudra mourir. Allez, kangourou. Ha ha!
C'est du merveilleux travail, agent McCallum. Faites mes compliments à vos deux amis de la part de la police américaine. À propos, pourriez-vous me dire ce qu'ils sont devenus? Disparus. Ils ont dû se lasser de tirer les marrons du feu uniquement pour nos beaux yeux, c'est clair. D'ailleurs, ils n'aiment pas la police. Dommage, car mon département a bien voulu les amnistier pour les vols commis. Il me semble que c'est là un beau cadeau. McCallum! Agent McCallum, agent McCallum, le bureau fédéral a décidé de les amnistier, comme vous le savez, parce qu'ils peuvent encore nous être utiles. Je préfère vous dire la vérité. Le FBI est parfait dans son organisation. J'ai le plaisir de vous présenter vos deux nouveaux collègues. Agent McCallum, vous avez à vos côtés Olga Warren et Avala Stone du corps de police auxiliaire féminin. Voici une des prouesses accomplies par trois hommes d'exception. Tony, dont la sphère d'acier ne pardonne pas. Brad, le dernier venu, mais non le moins audacieux. Et Nick, qui bien que muet, trouve des arguments convaincants. Les trois fantastiques supermen, dont les exploits défient l'imagination, sont-ils des surhommes ou simplement d'habiles gangsters? Nos trois héros ne sont que des hommes, un peu fripouilles peut-être, mais si sympathiques et au demeurant les meilleurs fils du monde. Ils n'hésitent jamais à mettre leur vie en péril si les circonstances les forcent à lutter contre le mal. Tony, le don juan du trio, est au fond un incorrigible altruiste, généreux dispensateur de tendresse. Parfait homme du monde, il est à l'aise dans les situations les plus épineuses. Son flegme tout britannique et son charme lui permettent de passer des unes aux autres sans déranger son inaltérable élégance. Nick, le muet de la bande, sait lui aussi fort bien se faire comprendre. Quant à Brad, il a fait sien le précepte, si l'on t'embrasse sur une joue, tend l'autre. Et voici l'argent, le seul, le vrai grand amour de nos trois supermen. Avant de le restituer à qui de droit, ils sauveront d'un péril mortel ces pauvres enfants qui allaient devenir les victimes d'une monstrueuse machination. Les trois fantastiques supermen. Les trois fantastiques supermen.
un film plein de mystères et de suspense. L'organisation Golem a réalisé les plans d'un extraordinaire reproducteur universel, une invention capable de reproduire à volonté la matière vivante et la matière inerte. Mais nos trois héros ne pouvaient tolérer que dur ce scandale qui mettait en danger l'avenir même de notre planète. Toutes les jolies femmes sont avec eux, sauf certaines dangereuses enchanteresses qui leur donnent du fil à retordre. Une mise en scène somptueuse. Un chef-d'œuvre d'élégance. Un film physique plein de rebondissements dans tous les sens du terme. Tony Campbell, Brad Harris et Nick Jordan. Les trois fantastiques Supermen. Prochainement sur cet écran.